בוקר טוב רבותיי, פרשת שמיני, יום שלישי, לפרנסים סלאפמי גינדי, אלה אלאפמי משעל, אלה אלאפמי קזם, לעילוי נשמת מאיר יוסף מאיר זילחה, ולעילוי נשמת אלבר גרח, ולעילוי נשמת סלמן שלמה דוד, ולעילוי נשמת סימי נזרי בת עיישה. אוקיי, אמר רבי יוסי בר חנינה, Ce Hacham il a dit Béoucha, c'était une ville importante dans, en Babylone, parce qu'il y avait un, un grand tribunal. Elle s'appelait la ville de Usha. Hitkinu, ils ont instauré là-bas le Beddin là-bas le, le tribunal rabbinique, il a instauré Haisha She Machra Benichsemilog. Behayba Alahumeta, HaBaal Almotzi Miadal Lekuphot. Voici une halakha qui veut dire, alors je vais vous résumer un peu cette halakha, elle a plusieurs branches, mais là, on, on, juste on explique un détail. Alors, il y avait une loi autrefois, que la femme, quand elle se mariait avec quelqu'un, et elle amenait des biens à elle, alors, elle peut profiter des fruits de ses biens, mais elle peut pas vendre le capital. Hein? Alors, admettons, si elle a, on va dire, des appartements, hein alors, elle peut prendre le, le loyer, le loyer mais, elle mais une fois qu'elle s'est mariée, elle ne peut plus vendre cette maison sans le consentement de son mari. Hein? Wow. Alors, euh, alors c'est qu ça. Hein? Quand elle le voit il prend l'argent, elle ou son mari. Ou alors, c'est ce des... ça. Non. le keren, il appartient au mari, ça veut dire aux deux, et les intérêts et les fruits, ils appartiennent à la femme. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme Alors, on a dit, elle n'a pas le droit de, mon, de, de vendre. Elle a vendu, et après, elle est morte. Ça veut dire, elle, 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 elle savait qu'elle allait mourir. Disons, elle a dit, bon, je vais vendre, comme ça, le mari... Disons, elle a d'autres enfants avec, avec, avec un autre homme. Elle a vendu cette maison, et elle a donné cet argent aux enfants à elle qui, qui ne sont pas du mari, euh, du mari. Le, la Gemara elle dit que le mari il peut réclamer cette pas. maison qu'elle a vendue il peut dire que cette maison oui. ça veut dire que le la transaction elle n'a pas été faite correctement et l'acheteur il doit donner cette maison au mari de cette femme qui est morte <laughs> Vous avez compris un peu? Alors, c'est ça. Haïcha, chez Machra, Elle a vendu le capital quand son mari il était vivant. Ou Meta, elle est morte. Ou Baal, le mari, motim yad les Les ça veut dire ce, les acheteurs. Il peut aller, il peut leur dire que cette transaction n'a pas été faite correctement. Et c'est ce qu'ils ont instauré. Ça veut dire, dans cette ville de Houcha, chaque année, se, les rabbins, les dayanim ils se réunissaient et ils, étalaient, ils mettaient sur l'agenda les, les, les problèmes qu'il y avait, disons, durant cette année. Et un de ces problèmes, c'était celui-là. Beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils, ils venaient avec, euh, avec des maisons Et des fois, il y avait... Le, ça veut dire, tout ça arrive quand le, le couple... Ne s'entend pas bien, hein S'il y a le shalom et tout marche bien, hein? la femme elle ne va pas faire quelque chose sans l'autorisation de son mari. Alors, étant donné qu'ils ont vu que ce problème il se répétait à plusieurs reprises, ils ont fait cet akana. Comme ça, maintenant les femmes ils vont savoir que c'est comme on a dit la ketuba. La ketuba, les rabbins, ils l'ont instaurée pour protéger la femme. Des fois, le couple il se marie et euh, et le mari, peut-être lui-même aussi, il n'a pas une parnassa solide. Alors, Hakamim, me dit Tu veux divorcer, c'est correct, mais tu dois payer. La Ketouba, c'est une protection pour la femme. Une fois qu'elle est divorcée, qu'elle sait qu'elle aura au moins de quoi vivre après le divorce. Ok, alors on continue la Gemara. Hakbar Youssef. il a vu les Rabbi Ahavahu. De de Ça veut dire il était dans le dans le souk Okhlousa Rachidi là où il y avait beaucoup de gens de Ousha de la ville de Ousha. Ces deux rabbins, ils se sont rentrés dix ans dans le dans le supermarché de cette ville Ousha. Amarley, man maray de qui est ce rabbin qui a enseigné cette halakha de Ousha comme je vous ai dit que le mari il peut aller réclamer cette maison, Amaler Rabbi bar Rabbi Hanina. Il lui a dit c'est Rabbi Yosibar Hanina qui, qui, qui a instauré cette halakha naturellement avec l'accord des autres rabbins. Alors regardez, maintenant il lui a enseigné la halakha. Regardez qu'est-ce qui se passe. Tana minneh arba'in zimnin. Cette halakha, il l'a étudié avec ce rabbin quarante fois. Ça veut dire, c'est pas juste le... le que, oui. Ça veut dire, il a essayé, oui, oui, oui. Ils, ils ont fait des recherches, et il a étudié en profondeur cette halakha, comme je vous ai dit, dans cette halakha, c'est juste un compris. détail. Mais il y a plusieurs branches ouais. sur cette halakha. Alors, il a étudié le texte, « Arba'in zimnin » 40 fois, « Veda keman deman bekiste » Et après, 40 fois, comme si cette halakha... Elle était, dans ta poche. elle était dans sa poche. Ça veut dire, elle était, elle était très très claire. Et regardez, il n'a pas étudié une fois ou deux fois ou dix fois quarante fois. On a, on a, dit une fois ici que le chiffre 40 représente toujours quelque chose de nouveau. Regardez, mon cher il est resté à Har Sinai quarante jours et quarante nuits. Il est descendu avec la Torah. C'est quelque chose de nouveau. Bénisali ils sont restés dans le désert 40 ans après, ils sont rentrés en Eretz Israël. Hachamim, dit le Maboul, il a duré 40 jours et 40 nuits. Les, les Meragelim, ils ont été explorés la terre pendant, euh, pendant 40 jours. Arba Le bébé, voilà, le bébé dans le ventre de sa mère, après 40 jours, et il ne faut plus prier pour avoir un garçon ou une fille parce que hakami me dit après 40 jours ce qu'il y a là-bas est déjà là-bas hein, ça veut dire après 40 jours et même aussi la elle dit jours. 40 jours jours avant que le le bébé il sorte dans ce monde Bien, il y a une il y a déjà dans le ciel mahrizim ve'omerim bat peloni déjà on, 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 on décide 40 jours avant le, le, le mariage, qui va se marier avec qui Le mikvé, le ça prend aussi une mesure d'eau de 40 CA. Yamim Noraim, ça commence Rojhode Lul et ça finit Yom Kippour. Alors on voit que, d'ailleurs le Talmud il dit que pour étudier le Zohar, il faut avoir l'âge de 40 ans. hein? Begil Arbaim, parce que c'est marqué dans Perkei Ben Arbaim labina ça veut dire à l'âge de 40 ans, on commence à comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Hein. Jusqu'à 40 ans, on n'a rien. rien compris. Et à 40 ans, à peine si on commence à comprendre. Et <laughs> je le... bon, <laughs> Ah, voilà, très bien. Euh, celui qui. Euh, Adam et Hava, quand ils ont commis, commis le péché, ils ont reçu 40 malédictions. 10 Adam, 10 Hava. 10 le serpent et 10 la terre. C'est pour ça que quand quelqu'un, quand il fait un péché, des fois, on lui donne 40 coups. Parce que les 40 coups, ça veut dire comme celui qui fait le péché, il est lié au premier péché qui a été commis par l'humanité. Alors, vous avez compris l'idée, l'idée de, de, de 40. Hein? Alors, c'est ça. Il a étudié. Alors, des fois, nous, on étudie quelque chose deux, trois fois. On pense déjà qu'on la connaît. Hein? Ou bien, si on a écouté un Torah une ou deux fois, on ne veut plus l'écouter. Mais là, ils te disent non, même si tu l'étudies 40 fois, c'est bien, ouais, chaque fois es. que tu l'étudies, hein, tu apprends mieux. Ok, alors la continue il y a un que dans David Amelech, dans dit, Asheré, Shomre, Mishpat, heureux celui qui suit les lois de la Torah, et il fait de la charité en tout temps. On a. Et la pose la question est-ce qu'on peut donner la charité en tout temps, tout le temps Tu peux pas donner la charité tous les jours. Et toi, comment tu vas vivre toi et tes enfants si tu vas te mettre à donner <coughs> sans arrêt Alors, d'arshur abotenu Eliezer ze bana C'est quoi la charité de quoi ici David Hamelch parle. Si tu t'occupes bien. De ta famille et de tes enfants, ça, c'est la charité d'Anchelon. Il dit, ça, c'est tzedaka becholait. Hein? Ça veut dire que tu es toujours là à épauler tes enfants. Alors, non, non seulement quand ils sont jeunes, mais même quand ils, ils deviennent plus âgés, etc. Nos enfants, ils ont toujours besoin de l'appui financier et autres des parents. Alors, c'est ça. Et il faut pas penser à, ça, c'est de la tzedaka. Hein, ça aussi, c'est considéré de la tzedaka. Si tu donnes à un étranger, pourquoi tu n'aiderais pas te, tes propres enfants Ou bien ta propre famille aussi. La famille, ce n'est pas uniquement les enfants. bar Amar, Zéam Gaddel Yaton Celui qui prend la peine d'adopter un enfant, hein, quelqu'un qui a perdu ses parents, Yaton veitoma »« un orphelin ou une orpheline, hein et n'ont personne il s'occupe d'eux alors ça c'est la plus grande mitzvah qu'un être humain il peut faire s'il si a la possibilité de le faire alors ça c'est la meilleure tzedaka tu as pris un enfant que peut-être cet enfant il allait les vivre dans la pauvreté peut-être cet enfant il n'allait pas avoir une bonne éducation etc et tu fais de lui tu fais de lui quelqu'un d'important ça c'est la meilleure tzedaka la suite du passage qui dit, quand tu fais la tzedaka, la richesse, elle reste avec toi. Et la tzedaka que tu as fait, elle reste pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire, elle reste pour l'éternité? Ça veut dire quand tu vas dans l'autre monde, hein, comme on a dit, ils vont pas te demander dans l'autre monde combien d'argent tu as fait dans ce monde, mais ils vont te dire combien de tzedaka tu as fait dans ce monde. Parce que dans l'autre monde, l'argent que tu as fait, il reste ici. Mais l'argent que tu as utilisé pour des bonnes causes, cet argent-là, il va te servir là-bas, dans le Olamaba. Alors c'est ça. Et aussi, ils ça veut dire que quand tu donnes la Tzedaka, ne pense pas que tu as perdu de l'argent. Cet argent que tu as perdu, renlevé au cher bébé il va te le redonner d'une manière ou d'une autre. C'est comme on a dit, aser Bishvil, c'est titre Là-bas, c'est marqué aser t'es aser. Pourquoi deux fois Hachem, il me dit, si tu donnes la tzedaka, il va te donner la berakha pour que tu puisses tout le temps donner la tzedaka. Le 10%. Et on a dit aussi, le contraire aussi est vrai. Hachem, il te dit, écoute, je suis ton associé. Et regarde quel associé gentil je suis. Je te donne la possibilité de prendre 90% pour toi et tu me donnes 10% pour moi. Si vous avez un associé qui vous dit ça, c'est extraordinaire, hein? mais achemis dit attention, si tu ne veux pas me donner 10%, moi je vais te donner le 10%. Et moi, je vais prendre le 90%. Alors c'est ça, Acer, et Alors c'est ça, le Inyan. C'est quoi, Celui qui a la possibilité d'enseigner la Torah aux autres bénévolement, encore une fois, ils vont profiter de ses connaissances. hadamar et c'est quoi, Zehakotef Sefer Torah? Quelqu'un, il offre un livre au bêta alors le livre, il lui appartient toujours. Mais le fait qu'on étudie dans son livre, lui, il a des mitzvot constamment. Hein? Imaginez-vous, regardez, c'est quoi l'idée du bêta Hein? C'est quoi l'idée de quelqu'un qui est ce qu'on appelle parnasayom, comme tous ces plats que nous avons ici Ça, c'est des gens qui ont fait une donation à la synagogue et... Et grâce à cette donation, on étudie à leur mémoire et on a une seuda. C'est eux qui ont offert la séouda. Et puis, et c'est ça. Alors, ça veut dire, grâce à eux, on peut faire des mitzvot. Ou bien quelqu'un, il a, il a fait une donation, un livre, un livre de prière à une synagogue ou un livre d'étude pour un bétamédrash. Quand on étudie et quand on prie dans ce livre, celui qui a offert ce livre, il a, il a un sakhar. Alors c'est ça, côté sefer torah ou bien quelqu'un qui offre un sefer torah, il offre une synagogue, encore une fois, à chaque fois que nous lisons du sefer torah, il y a, il y a un sachar celui qui a donné ce sefer torah. Maintenant le, euh, un autre passage dont il est midi, ou Ebanim -e Shalom Al-Israël Israël. Alors qu'est-ce que l'explication simple c'est quoi Ça veut dire quand l'homme, il euh, euh, ça veut dire que chaque être humain, selon la Torah, une vie normale, chaque être humain, il doit voir au moins trois générations. Ça veut dire lui, son fils et son petit-fils. Si quelqu'un, il a juste un fils, il n'a pas de petit-fils, la joie, elle n'est pas complète. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Hein? Alors, euh, alors, alors c'est ça. Euh, entre parenthèses Donald Trump il a eu un petit fils oui. juif hein <laughs> Ah ils l'ont ah, déjà circoncis non. Je suis non, pas non, Mais ils m'ont pas appelé Comment <rire> <rire> ça, Théodore. ils ah, il a, Théodore. Non parce que normalement ils normalement ont donné le nom de Joseph aussi Théodore. Le Alors c'est ça quand tu vois que tes enfants ils ont eu des enfants c'est comme on a dit on dit dans la prière dans ubalition, Lo yamushu mipicha alors c'est ça, ça prend, toujours, ça prend toujours trois générations. D'ailleurs, les me disent que Avraham et Yaakov, ils ont même vécu ensemble pendant pendant 15 ans. Quelle est la preuve Dans la parasha, dans le livre de Bereshit, quand Vayetze, euh, pas la paracha de Toldot, et les Toldot, Itzhak Ben Avraham, Avraham, Olegit Itzhak, <coughs> là-bas, Yaakov, il préparait un plat de lentilles, hein, parce que c'était le deuil de Avraham. Alors, et Yaakov, il avait déjà 15 ans, Hachami, disent. Alors, c'est ça, ça veut dire qu a vu, que Yaakov, il, il a vu son, son grand-père Avraham, il a vécu avec lui pendant 15 ans. Et même, Hachami, me disent que Avraham, Itzhak et Yaakov, ils, ils étudiaient la Torah en, ensemble des fois. Hein? Oh. Alors peut-être l'enseignant de, de de bar mitzvah de, de c'est de Yaakov, c'était peut-être Abraham Avinu qui lui a enseigné la parasha. En tout cas, ils ont étudié ensemble. Alors c'est ça. ça. Donc Esaïa avait 15 ans aussi. Oui, oui. Et pourquoi va dit Pourquoi j'ai besoin de la euh, berchora Je vais mourir à 15 ans, quelqu'un dit je vais mourir. Non, non, non mais c'est pas il n'a pas je dit que pas, je vais mourir il demain. Il, il a dit je vais mourir de, de faim. Alors, alors, oui, en anokh y holakh lamout. Holakh. Non, Non 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 non, mais si tu une image, je vais mourir de faim. Faim exactement. Non, non, pas mourir de faim. Oui, je veux pas sortir ça. Bon bon. Alors ce qu'il dit, il avait faim. Alors OK, ça va. OK, l'explication elle est comme ça. Ça veut dire qu'Essav, il a dit, un jour oui, je bien. vais mourir. et à, Ça veut dire, un jour je vais mener, mourir. Et que après que la ça... mort, y rien. il n'y a rien. Ça veut dire, à quoi à quoi va me servir ce, 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 ce privilège mm -hmm. spirituel Et je vais mourir. Ça veut dire, pourquoi je dois me priver dans ce monde alors que je suis venu dans ce monde Comme les me disent. Alors nous, que, que, <laughs> que celui qui suit la Torah il dit, Fais la teshuva un jour après ta mort. Ça veut dire que pour les réchaïs, comme d'ailleurs, et c'est vrai, Yaakov et Esav, ils ont fait un deal. Hein? Yaakov, il a dit à Esav, Toi, ce monde-là, il est pour toi. Et moi, je veux le Olamaba. Après, quand ils se sont rencontrés, après 22 ans, Esav, il a dit à Yaakov Hé, hey, tu as dit que ce monde, il est pour moi. Regarde, toi, tu as quatre femmes, et tu as douze enfants, et tu as des centaines et des centaines de, de têtes d'animaux, mais je pensais que le Olamazé, ce n'était pas pour moi. Alors, ce n'était pas pour, pour toi. Alors, il lui a dit Non, Asher Hanan Elohim. Ça veut dire Oui, je n'ai pas dit. C'est ça la choukma des Juifs. Hein Il lui a dit "Oui, j'ai pas dit que je n'aurais pas besoin du tout de, de olamaze. J'ai besoin de olamaze, mais le but c'est pour servir Hachem. Ça veut dire même quand on, on suit le chemin de la on a besoin de gagner de l'argent, on a besoin de bien vivre, mais le but principal c'est pas l'argent. Le but principal c'est servir Hachem. Alors que pour, pour les Rechahim, le but de, de l'argent c'est l'argent." Hein alors, le but de, de, de ce monde, c'est un « olamaze uniquement. Alors, en tout cas, revenons maintenant à ce pasuk. al-israël C'est quoi l'idée L'idée est, c'est quand tu as tes enfants et tes petits-enfants, « Baruch HaShem », ça veut dire que tu as fait ton devoir dans ce monde, tu es venu, tu t'es marié, tu as laissé des enfants, ça c'est la première mitzvah de la Torah, « Pirya et ensuite, tu as eu des petits-enfants. Alors, « Baruch HaShem ». Maintenant, la Gemara, elle dit... Euh, elle explique ce passage d'une autre manière. Dès lors, à tout l'idée Quand tes enfants, ils ont des enfants, il n'y a plus de problème que si un frère il meurt, il faut que l'autre frère il marie la, euh, sa belle-sœur. Hein? Pourquoi Parce que tes enfants, ils ont eu des enfants. Ça veut dire parce que des fois, quand le, le frère il doit faire iboum et et c'est des moments intenses pour la famille est-ce qu'il veut la marier? Et s'il veut pas la marier, il faut que on demande au frère qui est moins jeune que lui, etc. Et ça peut créer des, des tensions de famille. Alors, si les enfants, ils ont des enfants, il n'y a pas de problème de hiboum et de halitza. Alors, c'est ça. Et une autre explication. Rav Shmoel Bar Nahmani Aussi, si tes enfants, Hein? Ils ont des enfants, alors il n'y a pas de problème une fois que les parents meurent euh, concernant l'héritage. Si un enfant, alors euh, si un enfant y meurt hein, et il a laissé des enfants, alors l'héritage, la part de son héritage à lui, bon. elle va, elle va à, à ses enfants. Maintenant, s'il si n'a si pas des enfants bon, et il est mort, alors non, ça crée des, des, des conflits. Normalement, ça doit aller au frère. Et lui, il a une femme. Et sa femme, comme si elle reçoit rien du tout. Alors, ça crée des, 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 des tensions de famille. Et les rabbins, des fois, ils essayent de trouver des compromis. Hein? Mais Alors, c'est ça. Mais, quand tu as des enfants et des petits-enfants, et tout le monde est vivant. Et il y a l'héritage. Hein Il y aura quand même des disputes dans l'héritage, mais <laughs> alors alors c'est ça alors. Euh... Alors il y a le Ur'ebanim le vanakha Shalom Alissar OK le Zohar après on fait Kaddish Huim Ramadon Eloheinu Aleinu Asedekhu Me'sedekhu Rabbi Tchak Batach Asher Halef Zevahim Uyochlu Yishtu Yen ça c'est dans la Parasha de Azinu HaShamayim c'est de la poésie hein Asher Ham Isra'el Shem Kedoshim Am Yisra'eli Sen Saint D'accord Koshbaro Khurot c'est les Kedasham Koshbaro Khur y veut les purifier Bour et Isaël à Kedoshim. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, le but de cette mitzvah, c'est quoi C'est de nous purifier. Qu'est-ce qu'on qu qu dit Qu'est-ce qu'on dit Il y a sanctifié. Qu'est-ce qu'on dit avant de faire la, la mitzvah qui il nous a sanctifié. Ça veut dire à travers la, la mitzvah, on devient saint. Kol. Ça veut dire que le but d'un bon juif, son objectif principal tous les jours, il doit être que ce monde, c'est un monde passager. Et le Ikar, c'est quoi C'est le Olamaba. Ça veut dire que tout notre objectif, on est dans un monde passager. Le plus important, c'est Olamaba. Et on doit faire en sorte. À ce que on fait nos devoirs, notre devoir correctement dans ce monde, comme ça nous allons avoir le mérite d'avoir une bonne place dans le olam bas parce que le olam bas dans ce monde, même si tu n'as pas une bonne place, ça veut dire même si tu n'as pas eu un bon mazal, etc. Ce monde il est passager. Un jour tu vas quitter ce monde et le riche et le pauvre ils vont être pareils quand ils sont sous la tombe. Le riche et le pauvre, ils sont pareils. Mais dans Olam bas il n'est pas passager. Quand tu auras une place, cette place là-bas, elle va être pour, pour l'éternité. Alors comme dans ce monde, quelqu'un m'a dit une fois, eh, moi je vais aller à Olam Abba, même s'il me donne une petite place, c'est pas grave. Je dis, c'est pas vrai. Dans ce monde-là, quand tu vas quelque part voir un, voir un match ou euh, être invité dans une fête, quand tu n'es pas bien assis, tu n'es pas tu n'es pas confortable hein? tu n'es pas bien dans ta peau alors imagine toi ça c'est juste une fête ou un match qui dure quelques heures imagine toi dans le ba et tu vas être là-bas pour l'éternité et tu auras une mauvaise place alors c'est pour ça qu'on dit dans perkei avot kol israel le c'est quoi helek » c'est une part quelle part ça dépend de la personne qu'est-ce qu'elle a fait dans ce monde mishum alors encore une fois, le zohar, il, il jongle avec ce mot yaïn. C'est comme, comme on a expliqué hier, le, le mot yaïn, c'est du vin spirituel, c'est l'étude de la Torah. Parce que on a dit la valeur numérique de yaïn, c'est 70. Il y a dans la Torah 70 manières d'interpréter la Torah. Et dans, Alors c'est ça, ça veut dire que le zohar, il fait une comparaison entre du bon vin et c'est ce vin que nous allons boire après 120 ans et c'est du vin qui est dans le Rolamaba, et c'est du vin que Hachem il a préparé depuis quand avant que le monde il existe c'est du vin qui dure pas n'est c'est pas un vin ancien de 10 ans ou 20 ans c'est un vin ancien de 6000 ans imaginez-vous bouteille de vin née en l'année 0000. 1. Veumakom. <laughs> hein? Non, parce que c'est marqué, il est né avant que le monde soit créé. Alors, en tout cas, Veumakom. C'est le vin. Mais c'est juste une métaphore pour nous expliquer. Nous, dans ce monde, on comprend c'est quoi le bon vin ou bien de la bonne nourriture. Alors, pour nous expliquer ces idées-là, oui, alors on nous donne des exemples. U oui, mishum oui, yotziim ha'ayim ukdushah la kol ve'ain shel israel bischut ayin shel israel la per. C'est ça. Vezeu banui vetalui ki israel lema'ala ma'ala lo ki yahbo ha'ayim zeni mishum zeh nikra etz ha'ayim. Celui qui est attaché à la Torah, à la Torah, c'est marqué etz ha'ayim he l'mahazikim ba. Celui, celui qui suit le chemin de la Torah. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer et il trouve un une branche d'arbre hein, ou un morceau de bois, il s'attache et c'est grâce à, à ce morceau de bois qu'il peut arriver au bord du fleuve. Alors la même chose dans ce monde-là, etz Hi »« etz ça veut dire c'est comme si on est en train de se noyer et qui nous sauve, c'est la Torah. Ça veut dire c'est ça, etz ha'imhi. O'mishum zeh nika etz ha'im, etz ha'im. ויוצאים משם חיים, ועל כן, סקור מורל פסוק הידי, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כנת עונה אתה שהשם, עונה קונסידי רביבון. סי עונה פאתה שהשם, מים סי עונה ביבון, עונה פקונסידי רביבון. ועל כן מברכים להקדוש ברוך הוא, ביין, יין של ישראל למטה. הלא איסיר זוהר ידידי, זה פורסק פליזיור מצוות, עון לפה שור לבא, לקידוש שור לבא. La havdala sur le vin. La britmila Brit sur le vin. Le mariage sur le vin. Alors tout ça pour nous faire rappeler qu'à travers les mitzvot, nous allons avoir le mérite de boire le vin, de le vin 0, 0, 0, 0. De, qui, qui est né avant la création du, du monde. Alors ici, le zohar, il nous donne une autre explication pourquoi plusieurs mitzvot se font sur le vin. Parce que le vin c'est l'équivalence de la Torah, et l'accomplissement des mitzvot. Alors, il dit, le Zohar, c'est pour ça qu'un goy, s'il touche le vin, le vin, il n'est plus pur, hein, il devient, il devient tamé, parce que ce vin-là, il est réservé uniquement pour ceux qui suivent le chemin de la Torah. Alors étant donné que le goï ne suit pas le chemin de la Torah, il ne peut pas avoir accès à ce vin. Et on ne peut plus boire ce vin parce qu'il est comparé à la Torah. Alors on a dit que tout ce qu'on fait dans ce monde-bas, il y a une influence dans le monde céleste, que ce soit pour le bon ou pour le mauvais. Quand on fait des bonnes choses, des mitzvot, quand on étudie la Torah, comme maintenant, comme si on fait des activités de construction dans le monde céleste, des activités extraordinaires. On ne les voit pas, mais ils se font. Et si on fait des averot, comme si on fait des destructions là-bas-haut. Oh. C'est pour ça qu'on doit boire uniquement du vin qui est kasher, hein? ומתנון לבן כי כשר אוסי לפסח, איפה אבואה, כשר לפסח, שנעשה כראוי בקדושה, כי להייתי פבריקי קונבנבלמי, כי עין ישראל למעלה, ששותה ומשתרש ומתברך ביין ההוא, יד חווך שווה, דוזלון אדח בני, העליון והקדוש, ואינם שורים יין שנעשה בטומעה, ירפט להם הם שוז, ומי ששורה אותו נמצא טמא, ואין לו יין המשומר, על כן משום שנקשר. Et c'est pour ça que ce vin-là, il fait réjouir. Ça veut dire, comme la Torah, elle nous fait réjouir, hein, aussi ce, le vin, il nous fait réjouir. Parce que ça veut dire, c'est la même chose. Et quand on suit le chemin de la Torah, même la rigueur de Dieu qui est digne, elle devient Yamin. Yamin, ça veut dire, elle devient la droite. וכן כמו נדיר הדרוע זה כזה סמבול דכוה, זה חסד, דכמיה. אז השם הקדוש בשמחה, ברכות נמצאות בכל העולמות. ידי ברכות. ובמעשה של למטה מתעורר המעשה של למעלה. ועל מזמנים יין למטה כנגד יין של למעלה. ומשום שהוא יין המשומר למעלה צריכים לשמור אותו מלמטה וכל שלו ששאה זה ישמור, ויהיה אשריהם ישראל, אוכל סוף עם ישראל, המקדשים עצמם בקדושה עליונה, אונספור יפי בקדושה עליונה, ושומרים מה שצריך לשמור, ומקדשים את המלך בשמירה עליונה, אשריהם בעולם הזה ובעולם בה. למוסר אונפיני. קריאת שמע אשר על המיטה, ידעת מה שאמרו רבות זיכרונו לברכה, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, הלוא עכשיו הוא יודיע, אין בוא שוויף איסו רווי. En, en, en disant le nom de Akaouj on se réveille on vient à la prière. Et aussi, un bon juif, quand il finit la journée, il finit avec en disant Shema Israël. Même celui qui ne peut pas lire tout le schéma, au moins on dit, avant de dormir, le, le premier Pasuk, Shema Israël. Alors, il dit, à travers le, le Shema Israël, on élimine toutes les forces négatives de la nuit ou bifrat ba'alot anafesh comme ce que tu vois allez zuhazim bkhawod kedima harhatot laila qui peuvent se réveiller après minuit zulat etomikla avec la sion à alors il y a ceux qui il y a ceux qui euh, qui se réveillent la nuit ça c'est des tzaddikim. Ils et sasso be'avelot sur la destruction de Jérusalem on appelle ça en hébreu tikun hatzot et il y a dans Tikkun Hatzot deux catégories. Il y a Tikkun Rahel, si vous regardez dans certains Sidurim, c'est Farad. Alors c'est ça. Ça veut dire, ça c'est des Tzaddikim, ils se lèvent en pleine nuit. Et ils disent à Hachem, qu'est-ce que tu attends pour nous construire le troisième Beta Migdash hein? Parce que Hachamim, ils disent, il faut être en deuil. Sur la destruction du temple, pas juste pendant le jour de Tisha et, et les trois semaines. Il faut être en deuil presque toute l'année. Sauf, par exemple, le jour, la règle générale est la suivante le jour qu'on ne fait pas tahanoun, on ne fait pas de Tikkun Hatzot. Parce qu'il y a des prières euh, tristes. Alors, par exemple, tout le mois de Nissan, on ne fait pas Tikkun Hatzot. Parce que tout le mois de Nisan. On ne fait pas de Tahanoun. Hein? On ne fait pas de Tahanoun. Et pourquoi cela, la nuit on se réveille pour être en deuil Parce que le Talmud il dit, si le Zohar il le dit, Akos il est en deuil sur la destruction. Comme si le soir il se réveille en pleine nuit, il dit Qu'est-ce que j'ai fait Où est-ce qu'il est le Beta Comment se fait-il que mes enfants ils sont encore en, deuil, en, en exil alors ça veut dire même Akadosh Baruch Hu lui-même, comme on a dit, quand anochi betzara. Quand sont en détresse, Hachem lui aussi il est en détresse. Alors comme si Hachem il est en deuil lui-même sur la destruction de Beth Hamidash. Gam beosko asbatora amru aboten zera v'vracha enri nachel Torah elabal laila. Ça veut dire l'étude de la Torah la nuit c'est très important. V'amru aboten zera v'vracha kol haosek b'torah b'al laila tout celui qui étudie la Torah la nuit, il a comme une chechina, une présence de Dieu sur lui pendant toute la journée qui s'en vient. Oukhtim. roni <tout> shalom ba' Et c'est pour ça qu'on dit David melech israel kayam. Pourquoi Parce qu'il se réveillait la nuit et il étudiait la Torah et c'est là-bas où est-ce qu'il a composé les 150 mismorim de, de Tehilim. C'est pour ça qu'on l'appelle Haï Il est vivant pour l'éternité, parce qu'on a dit, le sommeil, c'est comme le 1 soixantième de la mort. Alors, ça veut dire, comme si tu es mort quand tu dors. Alors, David, étant donné qu'il dormait pas beaucoup, à Hakamim, ils disent qu'il n'a pas dormi plus que Neshimatassus. Ça veut dire peut-être une vingtaine de minutes à la fois. Alors il est considéré Kayam. Ah, comme comme le passage qu'il dit Il se réveillait en, en pleine nuit malgré qu'il était le roi d'Israël et il était un il était aussi un Dayan, il était un juge. Il se réveillait, c'est pour ça que David a Meler, il est considéré un grand Sadique dans les personnages bibliques. Cette mitzvah, elle n'a pas, ça veut dire celui qui peut le faire, se réveiller en pleine nuit et étudier la Torah. Cette mitzvah, sa récompense, elle n'a aucune limite. Ça veut dire c'est une récompense extraordinaire. Celui qui étudie la nuit,